Le principal organisme de planification économique du pays annonce dimanche de nouvelles règles sur l'utilisation et le recyclage des produits en plastique. Il précisera également quels plastiques seront interdits purement et simplement. Les nouvelles règles soulignent les objectifs temporels dans le traitement des déchets plastiques d'ici 2020, 2022 et 2025. Elles s'adaptent également à des demandes spécifiques de réglementation sur différents types de produits en plastique. Les règles limitent et interdisent non seulement l'utilisation de certains types de produits en plastique, mais favorisent également l'utilisation de substituts recyclables. La réduction des déchets plastiques est urgente en Chine. Les experts disent que le pays est le plus grand producteur et consommateur mondial de plastique. En 2016, la Chine a produit 30% du plastique mondial et a utilisé près de 70 millions de tonnes. Le pays traitait 65% des déchets plastiques mondiaux jusqu'à ce qu'il interdise son importation en 2017. En septembre 2019, la Chine a entrepris une révision de ses politiques de gestion de la pollution plastique. Mais en raison de l'utilisation large du plastique dans de nombreuses industries, des solutions plus durables et des mécanismes pratiques sont nécessaires pour garantir le recyclage et la réutilisation du plastique. Les règles couvrent l'ensemble du processus de production, de consommation et de recyclage du plastique. Nous allons nous baser sur des équipes et des groupes pour coordonner les différents ministères en veillant à l'application des politiques. Nous assurerons également un soutien financier dans le développement des technologies clés pour traiter les déchets plastiques. En outre, nous clarifierons les normes et les règles dans l'exécution des plans spécifiques. La Commission nationale pour le développement et la réforme affirme que les nouvelles règles ne couvrent pas seulement les industries traditionnelles, mais aussi l'augmentation des services de commerce électronique et de livraison.